c'était vraiment d'aller à la rencontre des habitants, de comprendre leurs besoins, leurs attentes et de voir avec eux quel projet on pouvait monter ensemble. Avec ce véhicule, d'aller à la rencontre des habitants et de partager un moment de convivialité. Il se pose donc dans 4 communes. Il y a donc Courguin, Marolles, Champfleur et Mamers. Ils vont se poser sur les places de marché pour aller à la rencontre des habitants. Des tables avec des chaises, café et viennoiseries seront proposées pour partager tous ensemble. C'était le souhait de Viviane, notre responsable de l'équipe locale, et le mien aussi, montrer que pour nous, chrétiens, nous sommes porteurs de l'amour du Christ. C'est très symbolique, hein, voilà, ce bus est béni, mais je rappelle que Monseigneur Le Saut n'a pas béni que le bus, il a béni aussi ceux qui le conduiront. Et c'est important que nous portions, que nous y croyons plus ou moins, mais que nous soyons porteurs de cet amour pour les autres. Ce n'est pas un hasard, c'est vrai que ça... On souhaite vivre la fraternité. Fraternité, bon, il y a le mot frère, c'est une évidence. Tous ensemble, sans différence, sans distinction de religion, de race, de sexe, d'âge. Voilà, ensemble, on vit des moments forts pour construire un monde plus juste et plus fraternel.